Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver pour ce vendredi soir en live. Pour ce soir, voir un petit peu comment est-ce qu'on peint la pierre, comment est-ce qu'on peut facilement peindre et nuancer également donc, la pierre de construction, faire un peu de weathering et tout ça. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son passe bien. Alors, j'ai quelques petits soucis de caméra ce soir, on n'aura pas de caméra par le dessus, mais je pense qu'on va pouvoir se débrouiller avec la caméra par le côté. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, une bonne semaine. Je vous récupère juste à la fin de ces vacances et on va essayer, modestement, de voir les basiques du brossage à sec pour la peinture d'une pierre grise, à dominante grise en tout cas, et voir un petit peu comment la nuancer. On va faire ça sur simplement déjà des pierres tombales et on va voir ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus évolué qui est donc un petit pont de pierre qui a été réalisé en styrène et qu'on va découvrir tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez des explications supplémentaires au fur et à mesure et si le son et le volume de la musique sont bons et pas trop élevés. Voilà. Alors, voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Sur deux choses dont j'ai fait quelques avancées cet après-midi. On va voir comment peindre simplement voilà, des pierres tombales de cimetière qui vont passer pour être, par exemple, une pierre tombale calcaire basique. Classique grise et également donc sur ce petit pont qui vont nous servir de support. Donc là c'est simplement deux arches en styrène qui ont été réalisées et sous-couchées en noir, tout comme ce petit morceau de cimetière que vous pouvez voir ici, que vous reconnaissez peut-être puisque il a été réalisé il y a quelques temps de cela, presque un mois maintenant. On va voir aujourd'hui comment le peindre facilement. Alors, la base, la sous-couche, vous pouvez prendre une sous-couche en bombe, mais il ne faut pas que ce soit une bombe qui, évidemment, attaque le styrène, donc il ne faut pas qu'il y ait dedans des vernis ou des solvants. Il faut que ce soit une bombe avec des solvants à base d'eau. Donc, bombe acrylique. Sinon, vous pouvez simplement prendre votre plus gros pinceau, comme celui-là, qui est un 30, que vous pouvez acheter en magasin de bricolage ou en bazar, et prendre, moi ce que j'utilise pour les décors en particulier, pour le styrène, ça marche très très bien. J'utilise donc une peinture noire, qui est une peinture de bricolage, et qui fonctionne très très bien, donc qui est un noir mat, qui se vend par pot de 2 litres, voilà. Donc là j'en mets un petit peu dans une boîte à glace pour que ce soit un petit peu plus facile de se rendre compte et de faire, voilà. Et vous faites votre sous-couche basique, comme ça. Alors ce qui est bien c'est que quand vous allez la faire au pinceau comme ça, vous allez bien faire rentrer dans tous les creux, ce qui n'est pas tout le temps le cas de la bombe, dans tous les creux, votre sous-couche noire. Voilà. Alors, pourquoi je commence par le noir? Parce que quand vous allez faire un brossage à sec de pierre, pour travailler sur du brossage à sec, il est indispensable d'avoir une bonne sous-couche noire pour que votre brossage, qui évidemment ne va pas chercher loin dans les creux, que ce brossage soit en fait ombre, enfin éclaircisse. Vous n'allez faire qu'éclaircir en partant du noir. Alors, j'utilise également, moi, à part ce noir, effectivement, du blanc également. Alors, prenez n'importe quel blanc, mais évitez les blancs en tout petit pot. On est sur des décors, on va dire que ce genre de peinture bon marché, voilà, ça marche très très bien. Vous l'avez en noir, en blanc, c'est très bien pour faire ça, pour faire du brossage à sec. Et vous pouvez utiliser, voilà, moi, comme je fais de grosses quantités de décors, j'utilise du blanc de plafond. Du blanc de plafond, je crois que c'est quelques
euros le bac de 10 litres. C'est très économique. Et bon, vous avez des plus petits contenants, mais voilà, un blanc basique, acrylique, fonctionne très très bien. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le chat. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Le principe du brossage à sec, on va dire que le principe de base d'un brossage en général, mais du brossage à sec en particulier, c'est donc d'utiliser des pinceaux, pour les décors en tout cas, c'est toujours d'utiliser les pinceaux le plus gros possible pour peindre, déjà rapidement, et pour peindre de façon dimensionnée ce qu'on veut. C'est-à-dire que plus vous allez prendre un pinceau, une brosse petite, plus vous allez avoir tendance à aller dans les détails. Ça veut dire à remplir les trous, à remplir les reliefs qui peuvent, par brossage à sec, vous servir en fait à mettre en relief encore plus votre décor. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, avec le pont, si on utilise une petite brosse, ça veut dire qu'on risque d'aller dans les détails. Si on utilise une plus grosse brosse, là on a une brosse ronde en poil de porc, on va moins rentrer dans les détails et dans les creux des pierres qui ont été faites. Et si on utilise encore une brosse plus grosse, on va y aller encore moins. Et bien sûr, la brosse plus grosse va aller beaucoup plus vite. Vous avez aussi le problème que si vous prenez un pinceau trop petit, on risque de voir vos coups de pinceau dans un sens, dans l'autre, tout ça. Ici, si vous faites dans un sens comme ça uniquement, ce sera bien plus facile que ce soit pris pour des traits de lumière. Et quand vous le faites dans deux sens, en croisant éventuellement, ça marche aussi. Donc utilisez toujours, déjà pour des questions de rapidité et de rentabilité, un pinceau aussi gros que possible. Voilà. Pour bien sûr ne atteindre tous les endroits de votre décor. Hein. Si vous devez aller dans les creux ou autre et que vous ne pouvez pas avec le gros pinceau, ben ça veut dire que la taille va être un handicap. Utilisez également des pinceaux pas chers. Le brossage à sec, parce que vous passez vite sur les choses, relativement violemment, et comme vous passez sur les arêtes, vous utilisez des propriétés abrasives ou en tout cas heurtantes, on va dire, qui vont heurter les poils du pinceau. Si vous utilisez des pinceaux fragiles, fins, ou, vous allez très vite avoir les poils qui vont se réduire. Celui-là avait par exemple, là, avait des poils longs comme ça, et ils se sont réduits, bien sûr, par simple usure. Donc le brossage à sec, oui, il use les pinceaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des mauvais pinceaux, ça veut dire qu'il faut avoir des pinceaux qui ne coûtent pas trop cher, qui peuvent être usés. Et il faut avoir des poils relativement robustes. Des fois, il ne faut pas avoir des poils trop souples. Alors, vous pouvez utiliser des pinceaux qui sont un petit peu plus larges, mais qui ont des poils un peu plus souples. Et dans ce cas-là, c'est souvent plus adapté à un brossage un peu plus humide. Alors, on dit brossage à sec, pourquoi ? Beaucoup pensent que c'est parce qu'on utilise une peinture qui est sèche. C'est pas vraiment le cas. En fait, on dit brossage à sec parce que ça veut dire qu'on ne mouille pas son pinceau avant d'aller chercher la peinture. On ne va pas diluer la peinture avec notre pinceau. On utilise la peinture non diluée. Voilà pourquoi on dit sec. Ça ne veut pas dire que votre peinture doit être elle-même sèche. Ça veut dire que votre pinceau ne doit pas avoir été trop mouillé avant. Il peut être légèrement humide, mais pas mouillé. Il ne doit pas vous laisser de traces humides quand vous le passez comme ça, avant. Voilà. Sinon, si c'est trop sec, vous allez voir, si votre peinture est trop sèche même, elle va donner un aspect poudreux, qui peut être voulu dans certains cas, mais pas toujours. Pour la pierre, ça peut être intéressant, ça dépend quelle pierre vous voulez mettre en évidence. Après, la première chose à voir, c'est bien sûr quel type de pierre vous voulez voir. Vous pouvez le faire avec plein de couleurs. Aujourd'hui, on va se contenter de faire une pierre classique, grise. Dans l'univers du SDA, c'est typiquement les monuments en calcaire gris et blanc d'Osgiliath, la cité blanche de Minas Tirith éventuellement. Mais on va utiliser une pierre calcaire relativement claire, donc un calcaire un peu argileux. Ce calcaire gris, celui qui sert à faire le ciment par exemple, et pas un calcaire trop brun, pas trop beige.
mais vous pouvez le faire avec un beige ou donner n'importe quelle nuance. On va déjà commencer par les basiques des brossages à sec gris. Alors, moi j'utilise du blanc, du noir et du blanc uniquement, même pas besoin d'avoir du gris, parce que pour obtenir le gris, on va simplement mélanger le blanc et le noir. Donc, je vais prendre mon gros pinceau, j'ai mis un peu de noir, et je vais venir prendre un peu de blanc dessus aussi, et je vais progressivement mettre de plus en plus de blanc dans mon noir. Alors là, j'en ai pas assez, je vais chercher un petit peu plus de blanc. Donc là, vous avez la consistance de ma peinture acrylique de base. Hein, c'est du blanc à plafond de base. Ça ne donnera pas un résultat moins optimal. Ça donnera un résultat différent. Vous pouvez chercher, si votre pinceau est humide, vous allez obtenir autre chose. C'est un brossage, toujours. Parce que la technique du brossage, c'est de passer une brosse. Comme ça, dans un sens. Vous allez obtenir... des brossages qui sont semi-humides ou humides. Ce qui peut être intéressant parce que des fois, ça permet de faire des effets. En fait, vous allez voir plus la trace de votre pinceau. Si après, votre pinceau ou votre peinture sont trop mouillés, trop fluides, ça va rentrer dans les creux, ce qui est le contraire de ce qu'on cherche quand on fait du brossage à sec. Donc, il ne faut pas que votre peinture soit trop fluide et que votre pinceau soit humide, qu'il détrempe. Parce que quand ça détrempe et que ça glisse dans les creux, c'est exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Voilà. Donc, on va chercher déjà un gris moyen. Voilà, en mélangeant notre noir avec notre blanc pour trouver ce gris moyen. J'espère que vous voyez un petit peu à la caméra. Alors, je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un gros problème de caméra là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de caméra zénithale aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous verrez un petit peu les choses comme il faut quand même. Donc, ensuite, on va simplement passer, alors très doucement, il faut toujours commencer un brossage à sec. Alors là, je ne vais pas chercher sur mon ongle parce que je connais, mais vous pouvez faire le test sur le bord de votre couvercle. Moi, j'utilise des couvercles en plastique, c'est pratique, mais ce genre de boîte plastique alimentaire, ça va très très bien. Et vous allez commencer, là vous avez le plus de relief, comme ça, en passant dans un sens, toujours, et en appuyant sans trop appuyer d'abord, légèrement, pour mettre en relief, voilà, pour mettre en relief la pierre. Donc vous avez du gris, simplement un gris moyen, on va dire. Voilà. Voilà, il faut toujours commencer. Donc, parce qu'on a un poil raide, rigide, on va pas appuyer fort. Si on appuie fort, ça rentre dans les trous. Si on a un poil moins raide, moins rigide, si on appuie fort, ça va, je peux vous le faire voir avec ça, ça va obliger le pinceau à relâcher toute sa peinture. Quand vous pressez un pinceau, quand vous appuyez sur un pinceau, vous déchargez le pinceau, en fait. Vous obligez la partie la plus fluide qu'il y a dans le réservoir à descendre. Quand vous avez un pinceau avec un gros réservoir, comme celui-là, voilà, dès que vous touchez, tout le réservoir peut se vider directement dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas une peinture qui soit fluide, pas une peinture qui soit trop mouillée, pas trop fluide. C'est pour ça qu'on dit que le brossage est sec et que votre pinceau en lui-même, vous voyez, là je l'ai mis qu'à mi-hauteur, la peinture a tendance à sécher. Et en fait, votre peinture, elle doit sécher dans les 3 à 10 secondes une fois que vous l'avez mise en brossage à sec. Alors, avec la peinture bâtiment, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Mais parce que vous passez doucement comme ça, ne mettez pas de pression. Faites un ou deux allers-retours dans le même sens, comme ça. Et surtout, gardez le noir entre. Pour garder le noir, il ne faut pas mettre trop de pression. Donc faites un passage ou deux, regardez ce que ça donne. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez coloré, appliquez plus de pression ou repassez plusieurs fois. Essayez de garder un sens où le sens de votre passage va être perpendiculaire aux arêtes où vous voulez déposer le plus de peinture. C'est-à-dire que si je fais comme ça, les arêtes ici, l'arête où je vais déposer le plus de peinture ici, ça va être la première qui tape, c'est-à-dire celle-là.
Si je passe dans ce sens-là, l'arête où je posais le plus de peinture, ça va être celle-là. Et c'est plutôt ce que je cherche, moi. Donc je passe comme ça, dans le même sens, ou avec des allers-retours, peu importe, pour le premier gris. Donc on va ainsi faire en quelques secondes. Le live d'aujourd'hui ne va pas être très long, mais je veux quand même bien prendre le temps de vous expliquer que le brossage, c'est extrêmement rapide. Ça peut être bien plus rapide que l'aérographe. Quand on commence à avoir un petit peu l'habitude. Parce que vous pouvez quasiment travailler instantanément dans le frais. Même avec un aéro, des fois, vous devez attendre que ça sèche un peu selon la peinture que vous utilisez. Là, ça sèche immédiatement. C'est le principe du brossage à sec. Voilà. Donc là, vous voyez, je passe bien. Alors, je vais passer le dessous aussi. Alors, si vous voyez que votre peinture est trop sèche, que votre pinceau sèche tout, ne trempez pas votre pinceau dans l'eau. Ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'eau et de la mettre juste une petite goutte sur votre palette. Et vous prenez à ce moment-là votre pinceau. Vous pouvez rajouter un petit peu de blanc progressivement pour faire un deuxième passage. Alors, pour pas que ça prenne toujours le dessus sur la couche précédente, soyez plus léger encore ou utilisez un pinceau plus rigide. Là, on va rajouter, on va carrément prendre, taper dans le blanc. Alors, je vais vous faire voir ce... Alors, taper dans le blanc. Et là, on va passer un deuxième brossage sur notre... sur notre pont. Voilà. Et après, on va laisser bien sécher notre pont comme il faut. Donc là, on a fait un deuxième passage avec un gris un petit peu plus clair. Voilà. On n'est pas obligé de passer partout. Par exemple, on voit que l'intérieur des parapets ne sera peut-être pas très éclairé. Donc, on passe très légèrement l'intérieur des parapets, on ne s'attarde pas. Par contre, on va peut-être passer un petit peu plus de temps sur le bord là, du pont, parce que là, il sera un petit peu plus clair, plus éclairé selon comment on veut qu'il ressorte. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de blanc. Donc là, c'est quasiment du blanc pur que je passe. Là, je le remélange juste en fait avec le gris qu'il y a déjà sur mon pinceau. Pas très bien ce que... Voilà. Là, sur ma palette, je vais juste le mélanger un tout petit peu avec le gris. Donc là, on est sur un gris clair, l'équivalent d'un administratum gris. Et là, on va passer, mais très légèrement. Voilà. Pas partout. On va passer au centre de notre... Voilà. Pas insister. Je fais moins de passages. Je n'insiste pas. Alors, vous voyez que là, on va utiliser en fait toute la texture qu'il y a sur ce polystyrène pour justement le mettre en relief. Donc là, c'est de la peinture bâtiment, elle peut mettre un petit peu plus de temps à sécher qu'une peinture modélisme classique. Donc on va lui laisser le temps de sécher. Ben, on va faire un autre... Voilà, on va revenir sur nos cimetières que j'ai sous-couché tout à l'heure. Il y a un petit peu de temps à sécher. Donc on va partir sur un gris moyen. Et vous voyez que là, si je passe comme ça, je risque de rentrer dans les rainures que j'avais faites pour ici le voilà. Donc ici j'avais fait une forme de bouclier gravé. Si je passe trop comme ça, je vais rentrer dans les rainures. Donc je passe juste au début un petit peu comme ça pour mettre en relief les bordures de la pierre tombale. Voilà. Et là, de la même façon, je passe de gauche à droite, parce que quand je fais des traits verticaux pour les écritures, ici, comme les traits sont verticaux,
Si je passe comme ça, je risque de remplir l'intérieur du creux. C'est pas ce que je cherche. Donc, voilà. Le brossage à sec, certains disent c'est une technique de débutant ou autre, mais il faut savoir que, voilà, avec l'expérience et le coup de main, c'est vous qui allez en fait faire un couple entre votre poignet, parce que ça se passe au niveau du poignet, la tenue du pinceau, si vous le mettez plus ou moins allongé, vertical, la dureté, la largeur et du poil, des poils du pinceau, la forme du pinceau qui peut être plat, large, qui peut être rond également. Et donc l'angle avec lequel vous allez attaquer et le nombre de passages que vous faites et la consistance de votre peinture, bien sûr. Tous ces facteurs vont faire que vous pouvez avoir des résultats différents d'un brossage à l'autre. Quand vous arrivez à maîtriser l'ensemble de ces facteurs, là vous obtenez exactement ce que vous voulez. Et du coup, vous pouvez les faire varier pour avoir des résultats différents. Voilà. Donc là, le but, c'était vraiment de caresser avec les poils assez larges pour ne pas rentrer dans les gravures et laisser donc en noir les gravures que j'avais faites, je vous rappelle, au stylo à billes à ce moment-là. J'espère que tout est assez clair pour le moment. C'est assez simple finalement. Donc là, je vais reprendre du gris clair et je vais revenir faire un deuxième brossage. Voilà. Alors, après, là, vous voyez que par exemple, là, j'arrive aux limites de ce pinceau parce que j'arrive pas à venir dans certains détails comme je voudrais. Donc, ça peut être pas mal pour certaines couleurs, mais peut-être que là, j'ai envie d'être un peu plus précis. Donc, j'utiliserai pas ce pinceau assez large pour la suite. Par contre, je vais l'utiliser là, parce que là maintenant c'est assez sec, alors faut pas que ce soit trop frais sous votre pinceau. Et là, je vais réutiliser du blanc en brossage très 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 léger. Voilà. Donc, vous formalisez pas si vous avez l'impression que ce brossage a l'air triste, en fait. Oui, il est un petit peu triste, c'est du gris, mais il faut voir un petit peu la technique de base sur ce genre de couleur pour après se lancer dans des choses plus évoluées après. Donc là, je passe, vous voyez, je tiens à peine le pinceau. Il vient juste caresser le haut des pierres. Et en fait, votre dégradé, votre aspect pierre, il se fait automatiquement en mettant à profit en fait le relief du polystyrène que vous avez fait, quoi. Donc là, j'ai fait un relief au crayon de papier, puis au cutter, en enlevant même des morceaux comme ça avec le cutter, en enlevant même des morceaux de styrène. Ça donne un effet assez intéressant, du coup, parce que vous avez la texture de la pierre, une pierre un peu taillée, un peu rugueuse, et puis d'un pont qui a déjà un petit peu vieilli, qui a vécu, parce que les pierres sont disjointes, donc c'est un pont de pierre sèche, on va dire, avec un mortier déjà bien entamé, quoi. Parce que le mortier n'est pas vraiment visible, très présent en tout cas. Voilà. Donc moi j'ai tendance à aller toujours du haut en bas. C'est-à-dire, ma lumière vient comme ça taper sur le pont, donc je viens taper comme ça aussi sur le pont. Plus j'éclaircis, plus je vais dans le sens de la lumière. Si je devais foncer, j'irais dans le sens inverse de la lumière. Je commencerais par le dessous vers le dessus. Voilà. Voilà. Alors.
Si on considère par exemple ce petit pont peut avoir vu passer des charrettes, on peut hein, venir donner des effets, mais on le verra un petit peu après. Donc là, si j'ai une trace un peu plus blanche à certains endroits, c'est pas très grave. Ça peut vouloir dire qu'il y a un micro-relief sur ces pavés. Voilà. Et voilà, là on pourrait très bien dire, ben voilà, mon pont il est fait. J'avais un pont de pierre. Là j'ai un pont de pierre assez réussi, je pense. Donc on est sur un calcaire gris hein, de base. Voilà. Un calcaire gris qui donc a une part, pour information, la part grise dans les calcaires sont souvent deux choses, de l'argile ou de la matière organique plus ou moins, qui est piégée dedans, et qui, quand le calcaire est cassé, en fait, a tendance à blanchir. Parce que la matière organique dedans s'oxyde, disparaît, et vous ne voyez plus que le calcaire pur, le carbonate de calcium. Et donc vous avez un aspect très blanc. A contrario, il y a certains calcaires qui ont peu de matière organique, qui peuvent être très blancs, très purs, et qui peuvent noircir à la pollution, par exemple. C'est des types d'altérations différentes. Chaque pierre, il faut savoir que chaque pierre a sa couleur en cassure fraîche et sa couleur d'altération. Donc, quand vous faites des pierres, n'oubliez jamais d'avoir des exemples sous les yeux. Puis baladez-vous dans la nature, regardez les pierres et cassez une pierre avec un marteau ou contre une autre pour voir qu'à l'intérieur, quand vous avez une cassure fraîche, toute neuve, ben c'est différent des fois de l'aspect que le rocher peut avoir après avoir été altéré par l'eau, par les éléments, par de la mousse, bien sûr. On va voir tout ça après. Alors ici, j'ai nettoyé mon pinceau, parce que je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit pour pouvoir aller un peu plus sur le détail. Donc, je vais prendre mon blanc, là, que je vais rapporter sur mon gris, pour avoir un gris clair. Voilà. Et on va faire un petit peu de brossage. Voilà. Donc là, je vais en diagonale parce que comme mon pinceau est plus petit, je veux jouer avec la lumière. Voilà. Et faire comme si, en fait, la pierre avait été sciée ou polie et qu'on voit un veinage de la pierre transversale. Alors là, je l'ai fait dans ce sens en diagonale, pour voir comme s'il y avait un litage ou un veinage d'un marbre de pierre tombale. Et vous pouvez faire la même chose. Là, on avait un gris clair. Ben, je vais faire comme ça. Je vais faire un veinage. Allez, dans ce sens-là. Salut aux nouveaux arrivés sur le chat. Prenez place. Vous n'êtes pas très en retard. Je reprends du blanc. Je rajoute en fait à chaque fois du blanc. Dans mon éclaircie. Donc là, c'est un cimetière, on va dire, plutôt très minéral, qui pourrait être sous de la neige, par exemple. Et on va voir comment on peut même simuler de la neige, simplement avec votre blanc, comme ça. Ben vous le prenez pur, vraiment pur, un peu épais sur le pinceau, puis vous venez le poser comme ça par exemple. Là, vous avez l'impression que vous avez un peu de neige. Quand ça va sécher, ça fera de la neige. Ouais. Voilà. Donc, la subtilité du brossage, c'est toujours de savoir quand s'arrêter en fait. Comme vous brossez avec une couleur toujours plus claire, si vous brossez trop longtemps, je dis n'importe quoi, mais si vous faites par exemple avec votre gris moyen 10 passages de pinceau comme ça, si vous en faites 5 avec le gris clair, avec le blanc, n'en faites que 2. Passez deux fois, voilà. C'est toujours le même principe, c'est que si vous repassez plus de fois que la couche plus foncé d'avant, bah vous perdez le bénéfice de la couche d'avant, ce qui veut dire qu'en fait vous auriez pu vous dispenser de la couche d'avant, tout simplement. Et si vous aimez ce résultat, bah dans ce cas-là, dispensez-vous de la couche d'avant, passez directement du noir au blanc.
on peut très bien arriver sur une sous-couche noire avec juste un pinceau qui a, je ne vais pas dire du blanc, mais presque que du blanc et du gris au départ, en rajoutant juste une ou deux fois du blanc, en mettant dessus, vous pouvez arriver à faire comme ça un dégradé et tout. Et même avec un brossage humide, vous pouvez arriver à donner cette illusion qu'il y a eu du gris et du blanc. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, vous pouvez mettre des touches de blanc, soit en stippling, comme ça, soit en petite touche de brossage. Et n'oubliez jamais que le dernier éclairci, qui est quasi donc du blanc pur, mettez-le sur des choses sur lesquelles vous voulez attirer l'attention. Par exemple, ici, sur ces pierres tombales, ben ouais, la gravure, là, elle est sympa, on a envie que ça ressorte. Alors, on va mettre juste aux deux angles, là. Voilà, un peu plus de blanc, et ça va attirer l'œil ici. Ici, pareil, on a à deux endroits, alors, hop, je les ai fait en diagonale. Alors, on va faire en diagonale, et voilà. Là, au niveau pierre, on va pouvoir s'arrêter là, pour la pierre pure. Parce que c'est visible, là, sur le sur la pierre tombale, et également sur le pont. Est-ce que les couleurs se voient suffisamment? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc là, vous voyez que on voit encore du noir hein, à l'intérieur des entre les pierres. On voit du gris, hein, gris sombre. Et puis on voit un gris clair et des touches de quasi-blanc. Ce qui donne une couleur assez claire. On va utiliser donc ces derniers brossages très éclaircis en fait pour. Alors j'ai oublié un petit peu. Quelques petites retouches à l'arrière des pierres tombales, voilà. N'oubliez jamais l'arrière des pierres. Pas hésiter à en remettre un petit peu, voilà. À l'arrière des pierres. Là, pareil. La lumière vient d'en haut, alors on brosse à partir du haut. Là, vous avez des pierres tombales, je pense, absolument convaincantes. Et en plus, on a une musique appropriée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quelques effets de weathering ou de nuances qu'on peut donner à ces pierres. Alors, en fonction de leur position, les pierres, elles vont évoluer différemment. Des pierres sur lesquelles on marche, sur lesquelles on roule, comme la chaussée, par exemple, de ce pont, elles vont, parce que c'est le sol également, elles vont avoir certaines accumulations de terre dans les interstices. Alors, pour ça, on va utiliser des techniques de lavis, un petit peu, pour mettre un petit peu quelques touches de marron. Alors, vous pouvez les mettre en touche, vous pouvez faire un grand lavis général très dilué. Je ne pense pas faire un grand lavis général très dilué, mais je pense faire un lavis assez dilué qu'on va mettre par touche. On va utiliser pour ça deux possibilités. Si vous voulez vraiment quasiment des mottes de terre, utilisez un petit pinceau, comme ça, dans lequel vous allez faire quelques touches. Si vous voulez vraiment faire un lavis, utilisez un pinceau plus large, plus grand. Donc nous, on va utiliser un marron assez clair, classique, pas cher. Ce genre d'acrylique, celle-là chez Action, mais vous en trouvez partout, hein. Dans les surfaces bazar, rayons créatifs ou autres, ou dans les magasins de beaux-arts. On va faire un lavis un petit peu plus général, on va dire, enfin, bien que localisé, mais un peu plus dilué sur le bord de ces pavés. Donc, on a mis un petit peu de marron ici. Hop, on va faire en sorte de le voir. Voilà. On va le prendre et le diluer. On rajoute de l'eau comme ça jusqu'à ce qu'il soit, qu'il
teintes justes. Alors, vous faites l'exercice sur votre ongle et vous regardez quand est-ce que sa teinte, là, c'est peut-être pas encore assez dilué. Vous regardez quand est-ce que, quand vous passez le pinceau comme ça, ça va dans les creux, mais sa teinte, ça continue à teinter un petit peu ce qui est en relief. Là, ça a l'air pas mal. Voilà. Alors attention, pinceau avec un gros réservoir, ça veut dire qu'on va faire un lavis un petit peu, on va dire velu, mais quand même. Voilà. Donc on va le faire. Moi, je pose, j'aime bien poser un petit peu comme ça les endroits où je vais mettre la terre, plutôt dans les creux. Voilà. Alors, vous remarquerez que la terre a toujours tendance à s'accumuler là où on ne marche pas, là où il n'y a pas d'usure. Ça veut dire aux angles des murs, entre le pied des murs et la chaussée. Là, vous n'allez pas racler avec vos bottes. Et où, quand il y a de la pluie, ben, la terre peut s'accumuler aussi. Donc, vous voyez, on va la mettre là, simplement, sur les angles. Voilà. Là, je rajoute un petit peu d'eau. Je prends directement de l'eau pour rediluer et faire partir dans les creux ce marron. Pour que ça teinte un petit peu ma pierre également à 2-3 endroits. Mais je veux que ce soit léger, alors je mets plus d'eau. Voilà. Je le fais pas partout, mais voilà, je veux que ça teinte un petit peu en marron pour qu'on voit que il y a de la terre un petit peu entre certains joints de pierre. Voilà. Alors attention, si votre peinture de brossage à sec est pas totalement sèche, vous risquez en faisant un lavis dessus de mêler en fait les deux dernières couches par exemple de. Donc faites attention quand même que ce soit relativement sec quand vous faites ça. Et de ne pas noyer avec trop d'eau non plus l'ensemble. Donc, on va également faire ce marron. À l'endroit où tombent les murs, donc ici, à la jonction avec le sol. Ça tend à ce qu'il y ait de la terre à cet endroit-là. Donc ici également. Vous voyez, j'utilise pas énormément de peinture. Je fais en sorte qu'elle soit. Je vais vous faire voir directement. Ce sera peut-être plus intéressant que ma tête, en fait. Voilà. Est-ce que vous voyez le. Voilà. On va régler un petit peu. Que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de dilué hein, sur ma palette humide, un lavis. Et donc, c'est avec ce lavis que je viens juste poser ce lavis dans certains creux. À la jonction, là, avec ma terre. Voilà. Faut pas hésiter à être plus généreux près de la source d'où vient la terre. Là, j'imagine mon pont, j'ai un chemin qui arrive ici, donc le chemin, c'est un chemin de terre, il vient, et là, on passe sur des pavés en pierre. Donc, quand j'ai de la boue qui arrive, elle vient là, la roue de mon chariot avance, et puis là, il y a moins de boue. Et puis, quand il y a de la pluie, ben, la boue, elle recoule sur le chemin et va s'accumuler ici. Donc, toujours penser, essayez de penser au chemin que parcourt l'élément que vous cherchez à appliquer sur un pont ou sur quelque chose pour le vieillir. Là, on veut faire de la terre et de la boue. Votre terre, votre boue, elle vient de là, du chemin. Donc, bah, mettez-en plus d'où elle vient. Et au plus loin vous êtes de la source, comme une lumière, et bien,
moins il y aura de... Moins il y aura de terre, tout bêtement. Comme dans votre maison, l'endroit où, qui est toujours le plus sale, là où il y a le plus de terre, c'est là où vous rentrez avec vos chaussures à l'entrée. Voilà. C'est une logique bête, mais quand vous faites de la peinture, si vous pensez à cette logique bête, vous ferez quelque chose de plus réaliste, qui aura du caractère, qui vous parlera et qui fera parler. En termes de paysage, un paysage, ça se lit aussi comme ça, c'est que vous avez une... Il y a des choses qui, que votre œil voit peut-être pas, mais qui vont vous paraître logiques dans un paysage. Parce que plus vous voyez de paysages, plus votre œil enregistre des choses dont vous avez des fois même pas conscience. Prochaine fois que vous regardez un paysage, demandez-vous, ben, tiens, pourquoi les arbres sont implantés comme ça dans le paysage? Pourquoi est-ce que là c'est à l'ombre, là au soleil? Pourquoi est-ce que l'herbe là a cette couleur? Pourquoi elle a l'air plus haute ici? Pourquoi il y a des buissons là-bas et pas ici? Que ce soit le paysage de rochers, de la végétation ou autre, elle est disposée dans le paysage ou sur un élément architectural d'une certaine façon qui répond à des lois physiques naturelles ou à des lois anthropiques aussi. Puisque là, on est sur une construction architecturale, donc on a des lois qui sont purement anthropiques, humaines. Des lois de la physique, bien sûr, hein. On fait une arche parce que c'est les arches qui tiennent, qui permettent d'eux. Mais il y a une loi humaine aussi qui dit que, par exemple, pour traverser un pont, pour que le pont soit utilisable, faut qu'il ait une certaine largeur. C'est ce qui va donner un des aspects architecturaux du pont. Et du coup, parce qu'il a cette largeur, eh ben, la lumière va venir se diffuser d'une certaine façon sur la chaussée, selon comment il est orienté. Donc là, on a la chaussée de pavé et on a mis quelques touches de terre. Alors, moi, ce que j'ai tendance à faire aussi à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est de me dire que si j'ai des roues de charrette qui passent, là, elles vont déposer à certains endroits plus de terre. Donc, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des petites touches de terre alignées sur un écartement précis. Donc, là, voilà, je vais faire deux... On va dire que les roues de charrette ont cet écartement-là sur mon pont. Et du coup, je vais garder cet écartement pour faire plus de terre dans les creux que finissent par creuser les roues de charrette dans les pavés. Je redilue un petit peu parce que on était trop sur du pointillisme. Voilà. Dites-vous bien que la peinture et le weathering, surtout le weathering, c'est pas du tout anodin. Il faut y réfléchir. Quand vous regardez un tank rouillé ou une forêt ou une flaque de boue, quoi, demandez-vous pourquoi elle a cette couleur-là, d'où vient la boue, où elle se trouve, pourquoi elle a évolué comme ça, pourquoi la rouille a attaqué ici et pas là, pourquoi la rouille est boursouflée ou plus orange à cet endroit-là. Voilà. Si vous posez ces questions, votre cerveau va regarder les choses différemment, et du coup, quand vous allez devoir le reproduire, bah, vous aurez ce genre de réflexion ici. Donc là, on est déjà sur un pont où vous voyez en fait là, ces traces de charrette, hein. Ça a l'air de rien, mais en fait, quand vous faites ça, vous donnez vie, vous inscrivez en fait votre pont dans un paysage. Ça veut dire que c'est un pont, c'est humain, mais il est fréquenté. Il y a des charrettes qui passent dessus. Voilà. Ça pourrait n'être que des chevaux, hein, ou des animaux, pourquoi pas, que sais-je. Mais là, on a des traces de roues, ben, il y a des charrettes qui sont passées et qui passent souvent dessus. On voit la charrette de Gandalf presque déjà dessus, qui va passer dessus. Donc là, on va laisser ça, sécher un petit peu ça. On va faire maintenant un vieillissement qui est assez classique sur un vieux pont de pierre, comme ça. On va faire quelques traces de moisissure ou en tout cas de mousse.
de végétation ou de... Donc pour ça, on peut prendre, par exemple, moi j'aime bien le kaki comme ça. Ce kaki, ben vous pouvez prendre un qui va très bien, ben vous pouvez prendre par exemple le Death World Forest ou le Castellan Green. Ce sont deux couleurs qui vont très bien pour faire des coulures organiques, végétales, on va dire, hein, comme des mousses ou des champignons qui commencent à se développer sur certains endroits. Donc on va faire ces espèces de coulures entre les interstices des pierres, sur le rang du dessous. Donc on va prendre notre kaki. Celui-là, il faut le secouer un petit peu parce qu'il est assez liquide. Voilà. On n'a pas besoin d'en prendre des quantités insondables. Voilà. Alors avec ce kaki, on va venir faire des coulures. Donc je nourris un petit peu ce kaki avec de l'eau. Le but est donc d'avoir une peinture assez fluide. Un petit peu plus pour faire surtout le pont. Voilà. Alors, là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Que le but c'est que ces coulures on puisse les tirer de façon un peu précise. Donc, je vais prendre un pinceau pas cher, hein, assez fin, un pinceau de chez Action, voilà, un Van Brunswick, donc avec une pointe assez un peu fine et un réservoir quand même. Donc je vais le charger d'un kaki un petit peu dilué. Qui serait presque un lavis, un glacis, on va dire. Voilà. Et je vais venir en fait imaginer que sur mes interstices là sont développés des moisissures, des champignons à l'intérieur, et que ça peut commencer à teinter dessous. Couler un petit peu. Alors on peut faire des petites variations en mélangeant, par exemple en prenant un petit peu de marron aussi. Voilà. Dans ces interstices, donc, aurait coulé un petit peu de terre, ou ce serait. On va finir par s'accumuler un peu de terre et un peu de végétaux. Ou... Donc là, je le prends. Je le pose et puis je le fais couler en fait, juste avec la pointe de mon pinceau un petit peu. Est-ce que c'est visible ce que je fais? Ouais. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit, ça reste bien visible. Voilà. Donc je viens le poser et puis le tirer un petit peu. Je viens dans l'interstice et puis je tire un petit peu ma peinture. Je vais faire la même chose de l'autre côté donc. Alors je vais faire ça à l'intérieur là bien sûr. Je vais mettre quelques petites touches de vert en fait. Alors, je garde toujours un aspect un peu dilué parce que je veux qu'on voit dessous les variations de teintes qui ont été faites au niveau du brossage à sec. Donc je ne veux pas perdre le travail de brossage à sec qui a été fait. Voilà. Donc rien que par ces petites touches vertes, je donne là aussi une histoire.
J'amène une nuance à ma pierre et je dis, ben voilà, cette pierre, elle a quand même subi un petit peu les affres du temps. Voilà. Alors, en diluant un peu plus, je peux même amener des nuances de vert. Mais attention, si vous ramenez trop d'eau sur une pierre, enfin sur un brossage à sec récent, vous risquez de remobiliser votre... ça va dépendre de vos peintures. Il faut bien que les peintures aient le temps de sécher quand même. Donc, faites pas ça trop hâtivement, je dirais. Donc là, pareil, hein, on va verdir un petit peu pour donner un petit peu d'âge à ce pont et lui sortir son aspect qui, pour l'instant, est purement minéral. Hein. Là, on va essayer de lui donner une histoire un petit peu plus... Voilà. Donc, si vous voulez mettre quelques petites traces un peu vertes dessus, je vous conseille de les mettre plutôt dans les parties les plus sombres. Là où vous avez encore du noir ou en tout cas du gris foncé. Vous pouvez vraiment en mettre un petit peu plus sur les pierres de base qui sont le plus proches, qui sont à la hauteur d'un brin d'herbe qui serait sur la rive de la rivière. Donc voilà, simple présence d'herbe, d'humidité et de ça peut avoir permis à la pierre de se teinter de vert aussi. Donc je néglige aucun des côtés, hein, je fais bien mes quatre côtés, et voilà. Là on a déjà quelque chose qui ressemble, qui a un pont qui a un petit peu une histoire, hein, on le voit. C'est un pont qui a vécu, c'est pas un bête brossage à sec, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc ce pont a déjà un petit peu vécu. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Il a vécu, et puis de façon un petit peu naturelle, on peut aller jusqu'à le végétaliser. Alors pour végétaliser, on va utiliser des... Parce que là, on lui a donné un petit weathering. Hein. Il a vécu. Il a eu des... Il reçoit de la terre régulièrement. Il a quelques traces verdâtres qui sont des... Voilà, qui peuvent être des lichens, qui peuvent être des choses comme ça qui se mettent dessus. Mais on en veut un petit peu plus encore. Que je veux qu'éventuellement, il y ait quelques petites plantes ou herbes folles qui commencent à courir dessus. Donc n'oubliez jamais que ces plantes et herbes folles, c'est plus facile qu'elles arrivent par les bords de la rivière, c'est-à-dire ici, pour coloniser le pont dans ce sens-là. C'est-à-dire de la base qui est en contact avec la terre, le sol, vers le haut qui est suspendu au-dessus de l'eau. Voilà. D'un autre côté, quand la pente est raide, la terre et donc les graines se fixent moins et donc ça glisse plus. Donc on pourrait avoir quelques... Là où c'est quasiment plat, ici, on pourrait avoir quelques pousses ou prises de végétation. Tout comme là où les pierres sont très disjointes, très écartées, on peut plus facilement avoir de la terre et donc des végétaux qui sont insérés à l'intérieur et qui commencent à y pousser. Donc pensez toujours à ça également. Pensez à l'histoire que vous racontez et du coup, où va commencer la colonisation de telle ou telle couleur, de tel élément naturel, ou telle altération. Et progresser comme ça avec un modèle de répartition qui soit
plus naturel sur votre décor, ce qui permettra de lui donner du réalisme et donc d'améliorer l'immersion que vous pouvez avoir quand vous jouez, tout simplement. Ça n'a l'air de rien, c'est juste un petit peu de réflexion, ça coûte rien, mais ça peut réellement faire une belle différence quand vous, voilà, quand vous voulez vraiment jouer sur un décor vraiment sympa. Alors, on va utiliser différentes sortes de flocages. Vous allez pouvoir en trouver des dizaines. Donc, il y a des flocages d'herbe de différentes couleurs. Vous pouvez avoir donc, ce qu'on appelle de la mousse d'Islande. Alors ça, c'est plus des déchets de mousse d'Islande. Vert ou foncé. Voilà. Ils sont plus, un peu plus forestiers, mais on peut éventuellement en mettre. Voilà. Donc, vous avez ce genre de flocage. Donc ça, c'est de l'herbe statique. Ça, c'est de la mousse d'Islande. Vous avez également des flocages qui sont vendus pour les arbres, par exemple. Ce sont des espèces de mousse plus ou moins sombre, plus ou moins claire. Ça, ça fait très bien de petites plantes, on va dire, petites plantes qui se mettent dans les interstices. Quoi, donc c'est très bien. Voilà. Il y en a deux sortes. Donc c'est des espèces de mousse plastique, souvent, plus ou moins légère, plus ou moins rigide, qui sont colorées en différentes teintes. Là, on va rester sur des teintes qui sont assez sombres. Voilà. Puis, vous pouvez même vous amuser, vous, à coloriser, ça veut dire avec de la peinture bien diluée, vous colorisez une mousse, genre mousse à blister ou mousse, mousse de rembourrage, qui serait blanche. Vous lui faites absorber une peinture diluée, par exemple violette ou bleue, et vous allez voir que ça peut faire des toutes petites fleurs qu'on peut mettre et disséminer à plusieurs endroits. Voilà. Alors, j'en ai de la violette, j'en ai de la bleue. Et vous pouvez faire ça donc avec de la mousse ou avec de l'éponge. Des éponges que vous passerez ensuite à la râpe. Tout simplement. Donc, on va utiliser ces différentes sortes de petits flocages. Et quelque chose que j'apprécie assez, moi, c'est un lichen jaune qu'on trouve sur les écorces d'arbres. Qu'on trouve même en ville, hein, je dirais même surtout en ville, parce que c'est un lichen qui aime l'azote, qui aime la pollution. Donc, vous allez le trouver sur les aires d'autoroute. Voilà. Ce lichen-là est tout à fait intéressant pour faire des ruines, des petits champignons qui viennent, ou pour représenter ce même lichen à différentes échelles. Donc, moi, je prends des écorces d'arbres, comme ça, ou sur du bois mort, éventuellement. Mais celui-là pousse sur des écorces vivantes. Hein. Donc, vous en avez sur toutes sortes d'arbres, hein, sur des peupliers, sur des robiniers. Donc avec ces petits éléments-là, on va faire tranquillement. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un vieux couvercle comme ça. Je vais mettre dans ce vieux couvercle un petit peu de colle à bois, tout bêtement. De la colle à bois de chez Carrefour ou ailleurs. Avec cette colle à bois, eh ben, on va insérer sur notre... sur notre pont, quelques petits éléments de végétation. Alors, on va principalement les concentrer, bien sûr, sur le bas des piliers et dans certains interstices qui sont plus largement ouverts. On va commencer par mettre un petit peu d'herbe. Alors, comment je procède? On pourrait, si on voulait, hein, mettre avec un pinceau, on pourrait mettre avec un pinceau un petit peu de, excusez-moi, la musique est un petit peu forte, voilà, on pourrait mettre avec un pinceau donc directement de la colle et puis tremper dans l'herbe. Là, le but, c'est pas de mettre trop d'herbe partout, donc je vais simplement prendre avec, je vais prendre un petit cure-dent, voilà. Je vais venir prendre un petit peu de colle à bois, pas dilué. Et puis, je vais tremper ça dans mon flocage vert. Puis, je vais juste venir en appliquer un tout petit peu sur des interstices. Là. Voilà. Juste poser comme ça. Juste des petites touches.
L'herbe statique, je ne vais pas en mettre trop. Hein. Je veux pas que ça fasse trop pelouse de golf. Juste que on se dise, tiens, il y a un petit peu d'herbe qui est venue s'accrocher au pont. Alors, l'herbe aime bien les interstices, par contre, elle a aussi besoin de lumière. Donc, n'hésitez jamais à ne pas mettre trop d'herbe là où il n'y aurait pas de lumière qui viendrait seule. Elle peut aimer être abritée, en fonction des climats sur lesquels où vous situez votre réalisation, mais elle aime bien, l'herbe aime quand même bien la lumière. Quand vous êtes dans un sous-bois, un couvert forestier, ben l'herbe, elle n'est pas présente simplement ben parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Parce que les feuilles des arbres captent toute cette lumière. Et elle en a besoin pour vivre, l'herbe. Cette lumière, elle a besoin. Elle est chlorophyllienne. Donc le brin d'herbe a besoin de lumière. Sinon, il dépérit. Donc vous allez juste mettre quelques. Vous voyez, je trempe la pointe de mon cure-dent dans la colle à bois, et ensuite je trempe cette colle à bois non diluée directement dans le flocage pour en prendre autour, et je viens poser ben, une petite touffe d'herbe à un endroit précis, comme ça. Voilà. Mais pas mal là, peut-être en rajouter une petite par là, mais pas trop. Alors, là aussi, c'est important de savoir quand s'arrêter. N'en mettez pas partout. N'en mettez pas trop. Juste comme ça. Donc là, on a végétalisé un petit peu notre pont. Voilà, simplement là autour, à quelques endroits. Alors peut-être que là où c'est un petit peu plus creux, un petit peu, je vais peut-être mettre une toute petite touche d'herbe. Voilà, juste là. Pour dire là, vraiment, là, le pont, il est pas bien plus entretenu que ça, quoi. Je peux peut-être en mettre également là où c'est très. Voilà. Très ouvert, très large. Juste à deux, trois endroits. Alors, je vais également mettre, ça suffira pour l'herbe, je vais peut-être pas mettre trop d'herbe trop verte, trop fraîche, trop printanière. Par contre, je pense que je vais tout de suite sur cette herbe, je vais mettre, parce que j'ai envie que ce soit dans un cadre bucolique, donc utiliser ma mousse violette. Voilà, hein. Donc c'est de la mousse de blister ou de la mousse de rembourrage de coussin ou autre, donc qui était blanche ou crème, et que j'ai comme une éponge en fait, que j'ai râpée et réduite en tout petits morceaux, et je lui ai fait absorber de la peinture violette tout bêtement. Voilà. Une fois sec, ben, ça fait des choses intéressantes. Ça me permet de faire des petites fleurs violettes en fait. Alors, faut que je sorte un petit peu le morceau, voilà. Donc à 2-3 endroits, justement au-dessus de ces touffes d'herbe, je vais mettre, parce que j'ai envie que ce soit un cadre bucolique, je vais mettre ces petites touches violettes. Que les violettes aiment les endroits qui sont
petit peu humide quand même. Hein. Voilà. Je vais mettre juste quelques petites touches sur les brins d'herbe que j'ai fait tout à l'heure. Juste à deux, trois endroits. Allez, peut-être là aussi, ça fera ressortir. Voilà. Alors, je vais également mettre ce focage qui est un petit peu plus sombre. Je vais ranger ce qui me reste. Focage floral. Donc, utiliser ce... Voilà. Donc, il y a du focage qui est vendu en magasin de modélisme ou sur Internet pour faire des arbres tout bêtement. Donc moi j'aime bien parce que ça fait de la mousse qui est relativement intéressante. Ça peut faire aussi des feuilles. Donc hop. Même technique. Exactement même technique. Et là je vais être un petit peu plus généreux. Je vais mettre principalement dans les interstices. Des rochers. Là, vous avez un cortège végétal intéressant et typique des vieux murs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une végétalisation assez simple à faire. Alors, il y a des flocages, mais... Bon, ça se trouve facilement, puis quand vous en achetez une fois, vous en avez pour souvent pour toute une vie. Hein. Au moins d'avoir un très très gros projet de modélisme. Là, c'est vendu par petit sachet d'une centaine de grammes. Hein. Et encore, 100 grammes, ça fait beaucoup. Des fois de quelques 30 ou 40 grammes. Et c'est largement suffisant pour un paquet de temps. On va repartir sur deux endroits. Voilà. Voilà. On est pas mal, hein. Donc là, on a un vieux pont, voilà, pas trop mal végétalisé. Et je pense qu'on peut s'arrêter par là. Pas trop d'excès souvent. Après, il ressemblera plus à ce que vous voulez. Mais donc voilà, un petit exemple pour... Même votre pierre qui a été simplement traitée en brossage à sec gris, hein, basique, vous voyez que là, on commence à avoir quelque chose de vraiment sympa. Je ferai d'autres photos, vous pourrez voir sur ma page ArtEV Studio, donc d'autres photos, une fois tout ça fini, une fois tout ça sec surtout. Mais vous voyez que simplement en quelques touches, on peut arriver à faire des choses vraiment, vraiment très sympas. Alors, on peut faire un petit, à deux, trois endroits aussi, mettre ces petits champignons jaunes forestiers, ça fait un joli cadre un peu bucolique. Je vais les réserver à des endroits qui sont plus spécifiques, peut-être un petit peu plus protégés. Et voilà, on peut faire des choses vraiment très très chouettes avec ça, en mettant quelques petits flocages. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, ces petits détails-là vont totalement donner vie à votre édifice en pierre, à votre pont. Parce que là, quand vous le voyez, celui-là, vous allez vous dire, ah ben oui, il a vécu. Là, on sent qu'il est plus ou moins entretenu, mais qu'il traverse, il enjambe une rivière dans un joli cadre bucolique. Sans doute pas au milieu d'une ville urbanisée, sale, pleine de boue ou autre. On
pense plus à un cadre bucolique, effectivement, quand on le voit comme ça. Simplement, en fait, en lui ajoutant certains petits détails qui vont lui donner du charme, du caractère, bien plus que si vous passez, je sais pas moi, une heure de plus à faire de la peinture. Voilà. Là, en quelques minutes, ça suffit pour que des petites touches de kaki, un petit peu de flocage et, vous voyez, juste ces petites touches de couleur, de violet, ces petites touches d'herbes, ces herbes variées, suffisent à lui donner son petit cadre bucolique. On voit tout de suite ce pont enjamber une charmante petite rivière dans la comté, par exemple, après des eaux. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à s'attarder sur certains détails, parce que c'est ce qui peut faire tout le caractère d'un décor. Alors que ce soit au niveau peinture ou au niveau flocage et intégration ou weathering. Voilà pour ce soir. Écoutez, on a passé une bonne heure et quart hein, ensemble, déjà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, voilà, vous pourrez les poser peut-être si elles vous viennent après en commentaire. Si vous regardez cette vidéo en rediffusion, bien sûr, vous pouvez en commentaire poser toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pensez à la mettre immédiatement, par exemple, car c'est les pouces bleus qui me permettent de savoir que la vidéo est appréciée, qu'elle puisse être référencée éventuellement. Puisqu'il commence à y avoir un certain nombre de vidéos sur la chaîne maintenant, et ce qui va me permettre de savoir si vous aviez des questions ou en tout cas des desiderata vis-à-vis des lives, que ce soit au niveau des lives décor ou des lives peinture, pour voir éventuellement si on peut aborder des techniques plus avancées ou sur quoi vous aimeriez voir porter les prochains numéros. Alors la réponse est non, je ne les utilise pas, j'en ai déjà utilisé des muds, des choses comme ça, de chez Prince Auguste et tout, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que, pour moi c'est trop du plâtre, quoi. C'est trop, voilà. Moi j'aime pas. J'aime pas parce que c'est difficile à appliquer, j'ai jamais trouvé l'intérêt. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Alors, t'as un espèce de gros pot de confiture, mais il faut tartiner ça avec des spatules, des machins. J'ai des clients qui m'en ont demandé parce qu'ils avaient... Donc je le fais, mais c'est beaucoup moins pratique et facile à faire que de mettre de la colle à bois, du sable. Voilà. Un effet boue maison, eh ben, tu mets de la colle à bois comme ça, du sable, très fin, et une petite lichette de peinture. Et tu balances ça sur le truc. Plus tu vas mettre de colle à bois, plus la boue va rester brillante et sera humide en plus. Ça veut dire que tu peux utiliser exactement la boue comme tu veux à certains endroits. Plus tu mets de la peinture qui n'a pas de médium, par exemple, plus la boue paraîtra sèche. Quand la peinture va sécher, elle va même pouvoir se craqueler. Par exemple, si tu utilises un blanc comme ça, un blanc de peinture bâtiment, c'est un blanc qui, utilisé pur, va se craqueler en fait, plus ou moins, va paraître un peu plâtré. Donc tu peux faire ce genre de choses, mélanger ce blanc avec un peu de marron foncé, pur, et quand il va sécher, il va prendre un aspect très mat, très sec, presque de la boue craquelée, quoi. Peut obtenir quasiment les mêmes effets que tout. Alors après, il y a certaines peintures texturées qui font des effets craquelés facilement. Je dis pas, la peinture argile craquelée là de Games est sans doute pas mal. Après, ça s'utilise, je pense, avec parcimonie et sur des choses bien précises. Moi, je me verrais pas tartiner des socles, d'autant plus des grands socles entiers avec ça. Pour moi, le soclage est assez important, et quand vous faites des décors,
Pensez à ça également. C'est important de faire des choses jolies et variées parce que c'est ce qui va attirer l'œil, ce qui va vous donner envie de jouer sur cette table. Un beau décor, c'est un appel à avoir des figurines bien peintes et à jouer sur la table. Si tu mets une bouteille de coca, pas peinte, rien, oui, ben ça fera un obstacle, mais c'est pas un joli décor qui va te donner envie pas de peindre, mais de jouer sur la table bien peinte. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions, puis déjà aborder en tout cas les basiques de la peinture en brossage à sec pour les effets de pierre. Je vous refais voir aussi un petit peu donc la pierre tombale une fois sèche. On peut toujours revenir hein, après hein, sur l'avantage du brossage à sec, c'est que c'est une belle base rapide, facile, sur laquelle on peut revenir. On peut revenir faire des effets de marbre si on veut, de veinure, de tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est une belle base saine. Vous avez très rapidement un effet de pierre grise facile et rapide comme ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, faites de beaux décors. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez également, donc, si vous n'avez pas déjà mis un pouce bleu, mettez-le. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça m'aide également beaucoup. On va bientôt arriver peut-être à avoir... Allez, soyons fous, 200 abonnés, ce serait sympa. Et on va également peut-être arriver à avoir autant de followers sur la chaîne Twitch, sur laquelle je serai, donc je suis au moins normalement tous les mercredis soirs, sauf imprévu, et peut-être dans la semaine également où je fais des lives un petit peu plus spontanés sur des choses un peu plus génériques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Ou à la fin de cette vidéo, et donc également sur la page Facebook Artef Studio pour poser vos questions, être au courant au jour le jour de toute l'actualité du studio. Et il me reste à vous souhaiter donc une bonne fin de soirée, un bon week-end, et à vous dire à la prochaine fois. Merci de votre présence. Au revoir.